On extermine, comme d'habitude. Hop. Ben voilà. C'était propre et net. Et du coup, ça permettra de ne pas convertir plus vite cette province, qu'on a de toute façon perdue. Bon. Elle va se convertir toute seule, c'est pas grave. Là là. Du coup, on recrutait, ouais. Est-ce qu'on peut... Oui, si on recrute ici aussi, c'est parfait. Là, il n'y a rien à recruter, j'imagine. Non, ici, il y a des caves. J'ai l'impression de faire que de la cave. Ou des archers, j'arrive pas à trouver de l'infanterie correcte. Sinon il faut que je concentre de la troupe pour aller prendre cette ville. Et bah c'est ce qu'on va faire. C'est pas ça que je veux. Ici on peut recruter quoi? De l'infanterie de base, très bien. Là il y en a plein aussi. Un truc pour qu'ils soient heureux, ça va être l'académie ou l'amphithéâtre. Ouais, ça revient au même. On va faire les deux, tant pis. Voilà. Ah, 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 un pot bas. Merde, ça a pété ici, là, il se passe quoi? Ah, c'est qu'on améliore la ville. D'où il y a encore des chrétiens dans le patelin, quoi. Oui, capitaine. Comment on va faire? Tiens, j'ai lui. Flotte parée. Parée à manœuvrer. Flotte parée. Oui, entendu, capitaine. On va voir s'il peut pas sauver la situation. Alors, l'amiral, je crois qu'on l'a bougé. Le diplomate, bah toi tu sers pas à grand chose. Donc, voilà. L'espion, il va voir ce qui se passe. Alors, dans la ville, nous avons. On ne sait pas toujours quoi. On a quelques vraies troupes. Genre, eux, c'est des vraies troupes. Voilà, le reste. Le reste, non. Après, il y a le chef. Bon. C'est embêtant. Et en bâtiment, il y a tout. Sinon, bah, faut qu'il retourne là-bas. Hein. On va attaquer la ville avec des paysans, putain. Aidez-moi. Toi, toi et les mercos. C'est parti. Voilà. C'est pas trop embêté. On a cassé des rebelles. Ça, c'est bon. Ok, donc ça c'est les 1 et c'est tout. Très bien. Du coup, bah, on va ramener lui. Hein, et surveiller le pont qui est là. Après, dans le pire des cas, ils vont aller là-bas. Ou alors ils m'attaquent. Ça sent pas bon tout ça. Où est-ce qu'on ne construirait pas là-haut et à côté? Ok. Un port, une route. Voilà, et là-bas. Le temple et l'académie. Voilà. Ah, bataille. Ah, Artaxarta. Je sais pas que du tout comment ça va se passer. Parce que... J'ai quand même des gros doutes sur mes paysans pour monter sur les murs. Malgré qu'ils aient sorti de l'équipement de l'espace, hein, clairement. Je sais pas d'où ils sortent ça. Donc bon. On n'a qu'une seule tour de siège, ok. Ah bah de toute façon ils sont quand même en train de sortir. Bon, bah.
dans ces cas-là, si notre CAF peut travailler à les défoncer, c'est pas plus mal. On va protéger les paysans derrière. Ça c'est quoi ça? Frondeur des montagnes. Bon. En fait on va reculer tout le monde. Pas trop envie de rester sous le feu des tours là. Ils ont pris la sauce là. C'est pas des mecs bidons que j'ai là, vu ce qu'ils prennent, les piliers conscrits. À l'attaque les paysans. Oh alors les paysans qui ont réussi à mettre leurs troupes en déroute, c'est beau. Du coup eux ils vont essayer de s'infiltrer par là. Chargé. Genre ils se sont fait choper là. Non, non c'est bon, ils étaient pas en combat. Alors, est-ce que les frondeurs des montagnes vont bouffer là, la cave? Oui. Du coup, il faut les poursuivre et saisir la porte, je pense. Ah, et là, il y a le chef qui est en train de s'amener. Charger là-dedans, allez hop. Ah merde, mon général est dans une troupe de paysans. Oh putain, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Bon, heureusement, la cave arrive. Voilà, c'est bon, ils sont en déroute. Ils sont rentrés. On est rentrés, parfait. On a toujours pas pris la porte? C'est quoi cette connerie? Bon, j'ai des mecs qui ont pris la saucée, là. Le sable chaud et tout le... le folklore. Bon, on va prendre la ville comme ça hein, dans ces cas-là. Ah merde, le chef repart dans l'autre sens. Ah, et j'ai des mecs bloqués de l'autre côté. Genre, j'aurais dû faire tomber la porte. Je sais pas ce qui s'est passé. Son chef continue le tour de la ville. D'accord, peut-être qu'il va se barrer, hein. Je sais pas. Alors il va revenir par ici. Ah c'est ça, il est en train de revenir. Ah, il faut l'engager là. Non, non, putain. Commencer. Le roi ennemi. Oh yes. Espérons qu'il n'en... Bon bah voilà. C'est une victoire héroïque. Mais de Rome. C'était pas prévu. Avec des blobs d'infanterie. C'est pas mal. Ah voilà. La colonne des 1 se balade. Du coup, on va les dissuader avec lui hein. Avec Magnus le mesquin. OK.
Ouais, je peux aller prendre ces pattes-là, hein, parce qu'il n'y a plus personne dedans, en tout cas c'est plus des... Quoique, il y a encore une grosse armée là-dedans, mais dans l'autre, il ne devait pas y avoir grand-chose. Bon, on va croiser les doigts pour qu'il s'attaque pas à Constantinople avec sa horde de 1. Tiens, ici, là, ça s'est réduit d'un coup. Qu'est-ce qui s'est passé? D'accord, alors soit il y a une partie de son armée qui a disparu, ce qui pourrait arriver. Et ce qui m'arrangerait pas mal en vrai. Et je pense qu'on va faire un... Attends, si j'ai un diplomate, normalement non. Ah non, ok, mon diplomate est mort. Bon. On va essayer de le racheter. Tiens, attends. J'attends vos ordres. On verra ce qu'il se raconte. Va là-bas, toi. Donc c'est bien, on a un nouveau patelin. Ils sont à peu près contents. Ok. Aïe. Bon, je crois qu'on va aller laisser la religion zoroastre et puis on changera ça quand... Quand je sais pas. On aura des vraies troupes. Et plus trop de problèmes culturels. Parce qu'on le voit ici, le moins 50. Hop. Et un peu bas, comme ça ils sont heureux, c'est parfait. Ici, il n'y a pas grand chose à recruter. On va quand même recruter un mec, on va virer eux. Voilà. Ça, les routes. Ici, ça fait quoi? Non, c'est pas de bonheur. Après, c'est les égouts, quoi. Mais c'est chiant, c'est que ça augmente la croissance aussi. Bon, tant pis. Bon, là, on a une armée qui se rassemble, c'est bien. Ça, ça a été géré. Lui, ben, c'est le diplomate qui était là que je cherchais. Ça, c'est bon. Crise actuelle résolue. Nos investissements récents dans les activités minières ont fait des miracles. Je dispose des ressources nécessaires pour produire des pièces d'une grande valeur. En outre, la pièce romaine retrouve sa splendeur d'antan dans le monde entier. D'accord, donc il faut faire des mines pour régler le problème des pièces. Donc du coup, bah, on va recruter du négociant partout, hein, pour avoir encore plus d'argent. Là voilà, il faudrait imaginer la voix du Captain Crab. Il dit qu'il aime l'argent. C'est tout bon, allez hop. Tiens, ça fait longtemps que j'ai pas joué mon... Ah bah si, pardon. Mon assassin est mort lors d'une mission. Je suis en train de me dire, il faudrait que j'en recrute un nouveau. Ah, bon bah voilà. Mon armée a fait reculer les 1. Ça c'est une grande victoire. En vrai, il faudrait juste que je mette un fort à la con avec une troupe dedans au bout de chaque pont là. Et bouguer au choix. Non, c'est des ponts partout, très bien. Il y a 3 ponts? Non, 1, 2... Il n'y a que 3 ponts. Et puis un bout de route par là, mais bon, s'ils commencent à faire le tour, c'est pas qu'ils n'iront pas chez moi. Et du coup, bah, mon armée de dissuasion fait très bien le job. Ou alors c'est l'IA qui bug, je sais pas trop. Qu'est-ce qu'on a dans le coin? On a du bois, ouais, ça n'a pas l'air incroyable. Ah, il y a des mines là-bas. De l'or, ben voilà. Ça, c'est une ressource qui vaut quelque chose. Monsieur. Toi, ici, il y a du bois et on va racheter l'autre. Putain. Ok, bon, bah, on va pas le racheter, on va se faire racheter plutôt, hein, parce que c'est marrant. Monsieur. Là on va faire de l'huile d'olive. Non quoi qu'attends, ça c'est du quoi ça? De l'argent c'est mieux. Il y a du marbre et du bois. Et donc là en fait il y a des régions, il y a tellement de ressources, je comprends pas comment on peut toutes les faire quoi.
bien compris. Comment j'ai sur le pourpre, s'il vous plaît? Je ne peux pas faire cela, monsieur. Ah, je suis douillé là. Alors je sais que sur la map du ROM de base, ça marche bien. Là, ça ne marche pas. Why not? Oui. Donc là, il y a quoi dans cette région? Il y a des chameaux. Ok. Bon, bah, on va aller chercher des chameaux. Hein. Immédiatement. S'il y a que ça. Il n'y a que ça. Il y a Alexandrie, oui. On a du grain, mais bon, c'est un peu surfait. De l'encens et de l'or. Bien compris. Ouais, et puis de l'encens, c'était dangereux. Il aurait fallu racheter un marchand. Ça aurait été le bordel. Sire, en marche, sire, en avant. On peut, hein? En marche, sire, en avant, sire, en avant. Ah voilà, on a une bonne armée là. On peut, hein? Du coup, on peut aller là-bas. Alors il fait un petit tour dans le désert, après il suit la route et il y arrive. Ok. Ici, on avait un nouveau chef à un moment, je crois. Non? Ah non, il est parti à Salamine pour sauver la situation. Ah là là. Du coup, il faudra un temple dès maintenant et il faudra l'académie dans les jeux là. Voilà. Ça m'embête tout ça. Oui, capitaine. Donc la patrouille de la mer Noire. Entendu, capitaine. Bon, y a pas de problème, hein, il semblerait. Alors si on prend tout le monde, c'est la merde. Ok, si on va y aller comme ça. Hein. Toi, tiens, vas-y, si tu discutes avec eux. Une alliance. Cela ne nous est pas lucratif. Non, ok. Est-ce qu'on peut faire d'autres avec vous? Tiens, des infos géographiques contre des infos géographiques, s'il vous plaît. Est-ce que ça marche? Réfléchissez longuement avant de répondre. Putain, mais c'est quoi cette connerie? Genre les mecs me menacent pour un truc que j'allais leur offrir, quoi. Oui, non, mais j'accepte. Tous nos remerciements. C'est grotesque. Vraiment des bâtards, hein, ces Romains. Un bon mari, c'est un païen, c'est parfait. Et oui. Il se trouve à Ancyre. Ah, parfait. Comme l'autre il a 37 ans, lui, bah il va aller. Bah tiens, il y a une nouvelle armée là, c'est parfait. Il va y aller, il a un peu de loyauté et il ne connaît rien à la vie, mais c'est pas grave. D'ailleurs, il va récupérer des troupes. Merde, on le fera après. Qu'est-ce qu'on peut reformer là-dedans? Rien. Oui. Bien compris. Il passe sous la route. Ah oui, il passe par le guet qui est ici. Okay. Ça passe. Hop. Ah, voilà, il a une petite armée. Donc une fois Atra tombé, il pourra continuer encore plus loin. Et du coup, les uns sont pas venus nous emmerder. Bon bah tant mieux. Hein. On va se mettre sur le pont pour les bloquer. Ah, j'ai une armée rebelle à Constantinople. Un peu embêtant ça. Votre honneur. Sachant que j'ai pas vraiment de troupes pour les. Tout de suite. Pour les arrêter. Oui. Oui, toi fallait que tu rachètes l'autre là-bas. Ah, c'était quoi ce son? Cette mort incroyable. Mais donner un Oscar au mec qui a fait ce bruit quoi, c'est pas possible. Ah, l'armée sassanide vient à nous directement. Bon, on va l'attendre sur la route. Ils ont pas mal de troupes, hein, mais bon, nous aussi, même si ça reste de la piétaille, qui a pas suffisamment de morale pour faire face. De toute façon. Alors toi. Seigneur. Pressez-vous. Notre patience a des limites. Justement. Ah, il a trop de loyauté. Je peux pas le corrompre. Quelle arnaque. Et en allié, ils ont trouvé les Sassanides. Ah non, mais c'est une honte. Si, à l'attaque. Commencez le siège. Siège de la communauté en place, sire. Empereur, siège de la communauté en place, sire. On va tout cramer. Sire. On est là, toi tu fusionnes. Général, parlez à attaquer.
Parfait, ici on recrute des vraies troupes. Voilà. Et du coup, une fois qu'on aura le tout, bah, on ira bouffer la prochaine ville, je pense. Ce sera pas mal. Ben, pour moi c'est tout bon. On a bloqué les 1. Parce qu'on peut pas construire des. Tiens, il y a lui déjà. C'est quoi les ressources de cette région maudite là? Ah, il n'y a rien, il y a l'air de rien avoir. C'est fantastique. Du coup, bah, il va retourner en Grèce parce qu'il y a pas mal de choses là-bas. Hein, comme vous voyez tout ce qu'il y a dans le coin là. Hop. Ça m'a l'air parfait. Et bah c'est tout bon. Ou alors je m'attaque au 1, mais bon, je pense qu'ils vont m'attaquer eux-mêmes. Hein. Toi t'as pas plus de commandement, commandement 1. Ouais non, c'est peut-être mieux de garder lui. On peut faire fin de tour. Et ben voilà, qu'est-ce que je disais. Bon, beaucoup de caves, beaucoup d'archers. J'ai de l'archer aussi, ça devrait le faire. Et ça par contre c'est moins rigolo. On va bien voir ce que ça donne. Hein. Ah, c'est pas mal. Nous sommes assemblés pour nous battre. Je sais, c'est regrettable, mais parfois c'est comme ça. Vous devez faire quelque chose. La bonne blague. Mais vous dites de le faire. Moi-même, j'aimerais être ailleurs. Mais ma mère m'a dit qu'il fallait que je me montre convaincant. Alors voilà. Il fallait qu'il se montre convaincant. Oh mon dieu. Il a fait 3 tours au-dessus du campement, puis est parti vers le levant. Un jour comme aujourd'hui, c'est signe de victoire. Ils vont tenter de franchir la rivière, mais nous devons les en empêcher. Le décompte de nos troupes vous montrera qui a la faveur des dieux. Ils n'ont aucune chance. Ah, j'ai plus d'hommes. Parce que j'ai la faveur des dieux, évidemment. Dans les bois voisins. Si la chance nous sourit, ils auront la surprise de leur vie. Ouais, ça j'y crois moyen. Ces gens n'ont jamais combattu contre nous. Châtions-les de telle façon qu'ils n'auront plus jamais envie de nous défier. D'ici à demain, votre bras sera raide d'avoir trop porté de coups. Alors là, franchement, je n'ai pas compris la première partie de son discours, où il dit « Oui, bon, vous savez, moi j'ai un peu la flemme d'être là, hashtag je suis un couard, mais ma maman elle m'a dit qu'il fallait que je me quand même me batte pour l'Empire. » Je pense qu'il a fait trop de figurations les tours précédents. Alors là, par contre, je me suis en train de me dire « Il y a un gay. » Ça pue. Et le reste, bon, c'est une petite rivière. Et non, il y a deux. C'est un gay, ça ou pas? J'ai des doutes, hein. Mais même si de toute façon les mecs peuvent nager à travers le bordel. Du coup, c'est parti. Bah, notre cave va surveiller le gay, hein, voilà. Ils sont cachés là dans les bois ou? A priori non, bon c'est pas grave. On va les mettre face au guet, voilà. Sinon devant. Attends, j'ai contrôle I. Qui est-ce qui tire pas là-dedans? Ils tirent tous, oui, il fait volonté. Du coup, ça c'est des vétérans, ça a l'air des mecs lourds. Voilà. De l'infanterie lourde devant. On va un peu réorganiser cette armée. Voilà, on va les mitrailler le temps qu'ils arrivent. On va détacher 3 troupes pour là-bas, et puis ça ce sera la réserve. Et j'ai pris là. Non, je voulais pas la troupe d'archer moi. Voilà. Et le chef. Ouais, c'est parti. L'ennemi a reçu des renforts. C'est bon, ils sont de l'autre côté de la rivière, les renforts. Et donc là, il n'y a plus qu'à bourrer jusqu'à ce qu'ils viennent s'empaler sur mes infanteries lourdes. Quoique, attends. Unité, stop. Unité, en avant, marche. Unité,
coup, ça se passe pas trop mal. Ouais, ces cavaliers tombent à peu près comme des mouches. Bon, après, c'est de la cavalerie légère. Qui a pas trop d'armure, hein, donc. Ah oui, on les a vraiment défoncés là. Bon, il n'est pas prévu qu'il passe ailleurs que par le pont, hein, voilà. Ah bah d'accord, on a annihilé son unité. Si on va juste arrêter de tirer un peu, parce que si c'est que de la... Ah bah voilà, c'est eux que j'aimerais tuer. Cela on s'en fout. Gardier d'élite, non, c'est bon. Non, pour l'instant il n'y a pas de tireur, donc on va patienter, hein. Ils n'entreront pas sur les terres romaines, voilà. Je sais pas pourquoi on a construit un pont d'ailleurs, hein, mais bon. Ah, il tente de passer par la rivière. Du coup, on va l'attendre. Bon, ok. Il prend déjà du javelot dans la tronche. C'est des guerriers d'élite. Peut-être préparer lui, hein, quand même. Allez, au cas où. Ouais, peut-être passer ailleurs qu'au milieu de la moitié des troupes, ce serait sympa. Voilà, du coup, eux, ils sortent de la flotte pour se faire cueillir un par un, c'est pas mal. On est bien, là. Bon, maintenant, il y a la deuxième vague. Ça va poser souci. Voilà, parfait. Le général ennemi vient de se faire tuer. C'est tout bonnement incroyable. On est tout bon. L'armée ennemie est en déroute. Poursuivez-les. Chassez-les du champ de bataille. Loués soient les dieux. Le général ennemi a été tué. La peur s'insinue dans le cœur de ses soldats. Donc, on va réorganiser un peu tout ça. Putain, mais vous barrez pas là, revenez. Ah, ils sont en train de passer par la flotte là. Bon, là c'est la vraie armée, hein, donc on leur balance du javelot, on fait fi des munitions. Je suis en train de me dire, on va même ramener la réserve. Et par contre, il n'utilise pas le guet qui est ici. C'est un peu bizarre. Mais bon, bah. Voilà, c'est les seigneurs de guerre là qui m'intéressent. Si je les élimine, ça sera mieux. Mince, c'est pas ça que je voulais faire. Accélérer le jeu à des moments critiques, bof quoi. Non, non, elle est pas dans la flotte, bordel. Ça c'est quoi ça? C'est mon chef, parfait. Du coup, bah, ils vont traverser la rivière eux.
Allez, tous les archers de cave en face sont morts, ça c'est intéressant. Ah ah ah, ma ligne à l'avant est en train de s'effondrer. Envoyez des renforts, envoyez la réserve, envoyez tout. Ah. Ok, là ça va bien le faire. C'est quoi ça, du piquier? Bon, on va peut-être s'écarter hein. On peut pas les trucider plus vite les tireurs là. Voilà, bien, bien, allez, maintenant on s'en va. Est en train de... Ouh là là. Toi. Oh la merde. Bon. Là c'est la déroute. Ces hommes pourraient bientôt eux aussi leur être livrés en pâture. On est bien tenu jusque là et j'ai oublié mon chef. Bon. Bon bon bon. Ça va être le massacre. Merde, souris. C'est un archer ça. Ouais bah barre-toi hein. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Aïe. Ah oui voilà. La déroute instant hein. La charge dans le dos ça fait pas de cadeau. Du coup il me reste ma cavalerie auxiliaire hein, qui va charger quoi. Son chef, ce serait bien. Alors ça c'est un chef, mais c'est pas le chef de l'armée. Bon. Et bah du coup ça a été le massacre, mais je pense pas que j'aurais tenu à l'avant. J'ai quand même mis du dégât, hein, mais bon bah... On voit mon chef là qui a fait 127 kills. Je sais pas, il a fondu super vite. En pleine, je me serais fait arracher en deux en fait. C'est pour ça que je les attendais au niveau du pont. Mais là du coup c'est la crise en Europe. Et là c'est l'invasion des 1. Rien ne va plus.